La sélection nationale féminine U20 poursuit sa course dans les éliminatoires du mondial de cette dite catégorie. Après avoir enregistré 2 victoires et 1 match nul de la phase de groupe, les petites Grenadières se sont qualifiées pour les quarts de finale samedi dernier. Dans un match piège face à la formation guyanaise de football, les Haïtiennes ont souffert mais ont fini par arracher leur qualification pour les quarts de finale. Menés 1-0 à la mi-temps, nos compatriotes ont renversé la situation en seconde période grâce à des buts de Maudeline Moril, 58e minute de jeu pour l'égalisation, et Valentina Ornis pour le but de la victoire à la 87e minute de jeu. Une très belle victoire pour les petites Grenadières, une victoire qui leur a permis de valider leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Je vous invite à suivre les réactions de l'entraîneur Fioda Charles et de l'un des buteuses de cette rencontre, Moril Maudeline, après cette grande qualification. Depuis la première seconde que nous avons joué, nous avons joué bien. Cependant, arrivé dans le temps, pour mon, comme si j'utilisais l'intelligence, on mettait le ballon dans le filet, c'est ça qui est impossible pour nous-mêmes. Heureusement, Maudeline, comme si il aidait nous égaliser. En leader. En leader, c'est ça. Et puis, après, nous avons gravé ce score-là. Et puis, nous avons une qualification. Si comme entraîneur, nous avons fait des choix tactiques. Même si ça demande de nous faire des sacrifices, tout, souterrain, d'après le GFL, parce que l'obligation, c'est de gagner un match. Et l'équipe-là, c'est vrai que y a des gens qui pesaient devant. Mais, je ne sais pas si nous avons des difficultés pour ne pas gagner. Je ne sais même pas comment, comme si nous avons accepté, nous avons perdu. Il y a un bon goal contre les coups du jeu. Bien sûr, parce que c'est ce que nous faisons, nous battons nous parce que c'est comme j'ai évanoui. Heureusement que vous avez fait que les gars normal, mais les finis encore. Alors, on croit qu'il a continué avec la procédure et sous peu, on a supposé gagner avec nous. Il va être frappé dans la tête. Nous demandons pour qu'il fasse un scanner pour lui, pour qu'il puisse connaître comment il est allié. Après ça, on croit que tout ce groupe-là, il y a quelques petits bobos qu'il peut connaître, mais. En gros, on a préparé nous. Mais que les États-Unis, c'est vraiment numéro 1. C'est-à-dire, normalement, c'est des équipes que nous jouons tout le temps. Bien que l'équipe nous en est réduite par rapport avec des joueuses que nous n'avons pas gagné. Mais c'est le même niveau et nous manque de préparer. Mais nous devons faire en conséquence, c'est ça que nous devons faire pour que nous soyons capables de faire un bon match. Le fait que nous avons une possibilité pour nous gagner tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, coach. En fait, nous sommes capables de dire que c'est un grand plaisir pour nous. C'est toujours un grand plaisir pour moi pour me faire pour me marquer pour sélection et pour me poser pour l'instant. En fait, je pense que nous tous net en général nous contre qualification. C'est un cafouillage et on se connaît en plus de détermination, frappe avec toute rage, on met tout dans le monde dans le ça. Parce que c'est ça le petit doué. Parce que depuis c'est un pays où on défend capable de son nation gagner. Nous deux gommer pour tout le monde. Comment vous prochain match face à l'équipe américaine? En fait, je suis capable de dire pas qu'il y a un match qui est facile et pas qu'il y a un match qui est difficile. Parce que c'est avec travail, nous, avec concentration, nous, motivation, nous avons privé à tel objectif. Nous vous comportons un leader dans le groupe là de temps en temps, on va prendre un galon de l'équipe ça. Et ça le dit. C'est ça. Merci beaucoup. À noter, les protégés de Fioda Charles seront face à la machine américaine pour les quarts de finale ce mardi 8 mars 2022.